ופיין חטא על החהה. יש אומרים, אין כי פנס כשיבת המינים, כלסת מינים, נוק לוליד, לגרונד, tous les Shabbat Aminim de Israël, Tounim Bracha Lacharem Bimkoman. C'est comme le pain, que si on a quitté, avant de quitter, faire la Bracha Lacharona, on ne peut pas prendre et manger ailleurs, on est obligé de faire Bimkoman. Pourquoi? Comme c'est des aliments qui sont Khashuvim, donc ils ont le même dîme que le pain. Et si vous mangez donc une olive, vous mangez une grenade ou des dattes, il faut Bimkoman. Vieux Shomrim, des dattes Kamine Dagan, seulement ce qui est fait à base de céréales, qui sont des gâteaux, ou bien de nos jours les barres de céréales. Les chamrim, des d'Afkapat, les vases, qui pensent seulement le pain, mais tous les autres aliments, même s'ils viennent à base de dagan, ils n'ont pas de cette chashivut. Mishnah Bura, l'achareem, Mishnah Bura, he, l'achareem, bimkoman, bimalach misham, ça y est, l'arzon, l'imkomo, ve le varer, kemo, le gabepat. C'est-à-dire que si vous avez, donc, vous avez commencé à prendre des dattes avec vous, ou bien des grenades, ou bien des olives, bon, on mange pas les olives, mais un fruit des raisins, et vous êtes parti de la maison, il faut revenir à la maison pour faire la bracha comme le pain. Parce que comme c'est des fruits d'Eretz Israël, ils ont une importance. Yoshemim Rakmine Dagan, non, c'est pas les fruits, seulement ce qui est fait à base de céréales. Et puis Nechashivutan, Nikramazon. Parce que comme les céréales, elles sont zainées, la Gemara dit, elles nourrissent, donc elles sont chashuvim, donc elles sont un repas. Donc le repas, on fait à la maison. Mais un autre aliment, c'est comme une fruit ou de l'eau, où on est, on fait la bracha acharona. Levad, seulement le pain, pas le, il y en a qui pensent, donc troisième avis, ils pensent seulement le pain. Kadva achronim, alakha le masi, ils disent achronim. De la khatrila, yachmi le varer bimkoman, afil bzayen eminim. De la khatrila, on ne prend pas de risque, même si on a mangé un fruit d'Eret Israël, donc les 7 minimes, de la khatrila, il vaut mieux, c'est pas comme une pomme, c'est pas comme une orange, il vaut mieux faire la bracha bimkoman. Mais pour le chinouï makom, d'accord, que moi la pâte. Mais pour, si on s'est déplacé, et qu'on est parti, on est sorti dehors et qu'on revient, on a été ailleurs, même si on va dire qu'il c'est bien de faire la bracha du shvat aminim dans la maison, mais on n'est pas machmir de dire que les grenades ou les dattes, si tu quittes, il faut refaire la bracha, parce que ça reste que c'est un fruit, c'est pas comme du pain, pas comme du pain. Mais, donc on est passé comme le Rama qu'on a dit plus haut. Je répète pour ceux qui, je répète souvent, le Mechaber il pense dès qu'on quitte la maison, on est fini, on ne peut plus rien faire. Le Rama il dit que non. Donc après le Mechaber, il faut refaire Birkat Amazon. Vous mangez du pain, on vous appelle, vous sortez dehors, vous revenez, vous faire Birkat Amazon, et après refaire à Motsi et continuer à manger. Le Rama il dit non, ça n'existe pas ça. C'est un ami d'Andat. Donc il y a le Mechaber et le Rama, on est passé que ça fait Gbochot, laquelle. Même si on va dire que dans le Shabbat Aminim, le Khatrila, on fait attention comme le pain, à Valvadaï que les Gabé Abracha, si un homme, tu manges des dattes ou tu manges des olives à l'apéritif, quand il t'appelle dehors, et tu vas lui donner que la voiture et tu reviens, le Rama dit d'après Koulé Alma, on ne recommence pas à faire la Bracha. Parce que même si on a dit que quand tu as mangé des olives, ou tu as mangé des dattes, ou tu as mangé des figues, c'est bien de revenir et après tu vas dans la voiture, oh j'ai oublié la Bracha, c'est bien de revenir à la maison, faire la Bracha à Harona. Mais de dire que c'est comme du pain, qu'il faut refaire la bracha harona et refaire la bracha si tu veux continuer à manger, c'est sûr qu'on ne dit pas. Mais d'être agréable, oui. Est-ce que Shivat Aminim, c'est juste pour Eretz Israël ou pas? Non, même ici, dans le monde entier. Shivat Aminim, il y a deux choses. À leur temps, à eux, c'était. Ouais, mais nous jouons Shivat Aminim, ils ont une chashivut. La preuve, c'est qu'on fait une bracha spéciale, qui a une shalosh, indépendamment d'Eretz Israël. Maintenant, quand on fait d'Eretz Israël, on rajoute. On le cite. Mais les Shivat Aminim, comme ils sont chashivim d'eux-mêmes, il y en a qui disent que. C'est quelque chose qui est important. Pourquoi la Torah les a choisis? Il y en a qui disent parce que c'est des fruits qui nourrissent. C'est vrai qu'un homme il peut manger des dattes toute la journée, et Bémet, c'est un des seuls fruits qui nourrissent l'homme. On sait très bien le blé, l'orge, comment il s'appelle, la grenade. Il y en a qui disent aucun rapport. Que Zayné, tout à fait. Tout à fait. Mais parce que c'est Zayné, la Gemara dit ça nourrit. Il y en a qui pensent aucun rapport. La preuve, c'est que les olives, c'est qu'en vérité, Eretz Israël nishtaber beperotea, c'est-à-dire que c'est une qualité d'Eretz Israël. Mais en vérité, donc nous, comme on ne sait pas en vérité la vraie raison, il y en a qui pensent que les Shivat Aminim sont dignes d'aliments. Pour ça, d'ailleurs, c'est étonnant, tous les fruits ont fait une bracha, alors que les Shivat Aminim ont fait Ma'in Shalosh. Ma'in Shalosh, c'est égal un peu un petit Birkat Amazon en raccourci. Pourquoi un homme mange la grenade? Les maîtres, nos jours, ils disent que la grenade, les médecins, elle a énormément de vertus
C'est un des seuls fruits qu'il y a beaucoup, beaucoup de antioxydants, beaucoup de vitamine C, beaucoup de... Mais en tous les cas, halakha le maasé, même si on n'est pas sec, que Shiva Taminim et Ma'ala, aval badaïk, de dire qu'on refait la bracha, même d'après le Mechaber, de dire qu'on refait la bracha bim komam, et de faire la bracha, et après recommencer, pour si on veut continuer à manger, c'est sûr qu'on n'y va. Bédat agra, et bureau, les dates emtsaït et aïka, lina, le Gaon dit que c'est la deuxième avis qui est importante. Les dates, les olives, les grenades, le raisin, on ne fait pas. Mais si on mange des céréales ou un gâteau, alors là, il faut revenir, faire avec Amazon, bim komo, parce que c'est important. Vous le faites période, c'est le Shiva Taminim. Demain, c'est un période, déjà, vous chinez ma com, kouelma. Dans ce cas-là, on peut dire que tous les autres fruits des Eretz Israël, ils s'appellent comme les autres fruits, l'orange ou la pomme, mais pas de différence. Mais pour les céréales, il faut faire attention. Le Khatrila, il y a marqué dans les poskim. Le Khatrila va d'ailleurs que pour les gâteaux, c'est bien de revenir à la place pour faire avec Amazon. Non, si un homme, il est parti. Et que c'est compliqué, où il est, il peut faire, on peut être sommaire sur la vie du Rama. Une halakha très intéressante. Une halakha très intéressante. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de nafkamina. Il y a beaucoup, beaucoup de nafkamina. Il y a beaucoup de nafkamina. On ne s'en rend pas compte, mais c'est. En vérité, ça arrive très, tous les jours. Combien de fois ça arrive? Ma femme, la fois que je mangeais, ma femme, elle est venue des courses, venez m'aider. Chercher besoin de la voiture. On commence à manger, on est au travail, on mange, on est chez Béni, on commande quelque chose, on fait motzi. C'est des halakhot qui sont tous les jours, tous les jours. C'est... Et surtout, plus maintenant qu'avant. Parce que c'est important. Et maintenant, plus qu'avant. Parce qu'avant, les gens ne mangeaient pas dans la rue. Achilat Barchou, Achilat Kelev. Celui qui mange dans la rue, c'est un Kelev. De nos jours, celui qui mange dans la rue, dans la rue. C'est-à-dire manger... manger. C'est-à-dire qu'un homme qui marche dans la rue, c'est un khilat kelef, un mach, maintenant, de nos jours, la civil, ça a beaucoup changé. C'est-à-dire que, regardez en Israël, les falafels, même nous, c'est la vérité. C'est-à-dire qu'on peut très bien manger un sandwich en conduisant, mais avant, c'est vrai qu'il y avait l'éducation, on passait à table. Ouais, c'est ça. Alors maintenant, il y a beaucoup de choses, c'est même plus à table, c'est un buffet. C'est-à-dire que, okay, là. Donc vraiment, l'éducation, elle a beaucoup changé. Donc, mais aussi, les halakhot, ils ont beaucoup changé. C'est-à-dire qu'un homme, avant, il ne prenait pas un sandwich, il sortait. Alors que maintenant, même le pain, on le prend, on sort dehors. Un homme, avant, il ne mangeait pas ou il ne buvait pas dehors. Alors que maintenant, un homme, il a une bouteille d'eau, parce qu'il n'existait pas les bouteilles avant. Okay. Avant, ça n'existait pas. Maintenant, on te donne des petites bouteilles d'eau, on te donne des petites canettes. Donc toute la halakha a changé. Maintenant, il a une canette, il se balade, vous voyez des gens dans la rue avec des pop stops, ça date de 2000. Il boit. Il n'y a pas de. Dernière halakha. Mishiniska Betora Souda, Shulut Palel. Ça arrive souvent. Un homme, il fait le repas. Il se rappelle qu'il n'a pas fait la tfila. Avec Amad, il palel. Afulun Shaout, il mort Soudato, ou l'it palel. Shechayev, l'afsik. Même si donc il n'a pas le temps. Par exemple, Yamincha. Si il peut finir le repas. Et après manger, enfin la prière, vaut mieux. Et si maintenant, il n'y a pas le temps, c'est-à-dire qu'il est en train de manger, il se rend compte que la shkia est à 8h20, et lui il est 8h17, s'il ne fait pas mincha maintenant, il perd la mincha. Donc il dit, voilà. Vive shalo lochol, atit pel, imkolze, la VFC, c'est pas FC. C'est-à-dire que, bien que ce soit un choix personnel, ou soit que ce soit un choix impératif, c'est pas FC. La tfila, c'est pas FC. Vous pouvez faire la tfila, vous pouvez. Non, voilà. On va réfléchir. Si vous allez à la mincha à la synagogue, vous revenez. Pour le pain, ça va être efsek. Si vous laissez quelqu'un. Mais de façon générale, la prière, arvit ou au mincha. C'est pas maquer. Il dit Mishtambura. Bief. Sur place. C'est normal de rentrer acheter de moto la Avlan Venivarech. J'aurais pu penser que ça ressemble à quelqu'un qui dit Avlan Venivarech. Quand on fait Avlan Venivarech, de maintenant, vous savez, quand un homme dit alors fais Zimoun. Si on remange après, il faut refaire la bracha. Parce que c'est considéré comme si c'est fini. Donc si un homme dit, alors faire vite. Donc c'est considéré comme si que il arrête de manger. Aval bemet, l'autre ami, ça ne ressemble pas. Data mata, mishum d'avait assez hadat, mais si look. Là-bas, quand il fait zimoun, c'est pour finir le repas. Mashim kenacha, de le sikhou data milechol. Ici, il n'a pas voulu finir de manger. Il y a un problème technique, il fait la tfila, il fait la tfila. Là, vefsek, donc ce n'est pas un fsek. Le data mechaber, beseif alef. Ou davka, abi tion, kshimit palel bebeto. Seulement s'il prie à la maison. Avali moler betekneset, avefsek. Achel. Les filles machanoun akinan kida taga, mais nous connaissons pas sec comme le Rama, il dit le Mishnah Bora. Lo avev sec, af ke shalechou le betekneset. Même si on va à la synagogue et on revient, d'après le Rama, c'est pas avev sec. Verak im lo isichou data milechol, à condition qu'il a eu la kavana de
prier. Donc c'est toujours la même requête, Mechaber Rama. D'après les Sfaradim, on fait attention, si on va à la choule, on fait Birkat Amazon, on revient. À moins, comme on a dit, qu'il y a quelqu'un qui est à la maison qui nous attend, un ami qui reste à table. Et donc on va prier. Et bien sûr qu'on revienne dans un shiur que de 72 minutes, que si on revient une heure et demie après, le mincha arvit, le shiur, on a commencé à 7h, on revient à 9h30, c'est fini. Mais d'après le Rama, ben mettre, c'est pas la peine. Le Rama, si on a une kavana de revenir à la maison, on sort, on peut revenir, et on peut faire Birkat Amazon. Abba l'arber al-Khonim, d'accord ? Katav Amagan Avram, Daf Damotzi, Entzai Levarim, Mechamat, Efsaket Fila. Même si Motzi, on n'a pas besoin de faire refaire quand on a fait la Tfila. Abba l'Intiataïm, Sahel, Ishema, le Shamar Yadda. Mais si un homme, il va prier, il doit refaire une Intiataïm. Pourquoi ? Parce qu'il ne sait pas où il a mis ses mains, il les a laissé traîner. Et peut-être que. Abba l'arber. C'est la tédaïm, pas pour le pain. Pour le pain, je parle. Encore. Le pain. Malgré que tu fais tédaïm à la maison, après tu vas à la synagogue, okay. Tu fais mincha, okay. Tu fais tout. Mm-hmm. On parle d'après le Rama. Ou bien tu as minyan. Peut-être que tu n'as pas fait attention à tes mains. Donc il a touché n'importe quoi, tu fais comme. Donc quand tu reviens, il faut refaire une tédaïm du pain, parce que tu as mangé du pain. Abba l'arber chonim cholkim alav, vesvirele dev tédaïm eno tsarir, debe ved tfila, bodaïshama et damitara. Si un ami va travailler, ou un ami s'amuse, bah, il ne fait pas attention aux mains. Mais pendant la tfila, un homme fait attention à ses mains. Il va mettre les mains en bas. Parce que de toute façon, il dit le Magen Avram, s'il met les mains sous les aisselles, même pour la tfila, il faut qu'il refasse les tiatelaïm. Mm-hmm. Donc de toute façon, l'homme il fait attention de ses mains. Bafilou, aval bezé d'Afka mitpel beto. Seulement s'il fait la tfila à la maison. Aval imalach et betakneset, bitpel kchaz. Donc il est parti avec elle, il a touché la voiture. Il a touché les chaussures. Ici à Montréal, on remet les chaussures. Il est parti à la synagogue. Peut-être qu'il a touché la poignée, il a touché une serviette qui n'était pas propre. C'est très compliqué. Donc quand on va au Beit Knesset et on revient à la maison, même si on va être sommaire sur la date du Rama de ne pas faire les brachot, il faut refaire sans bracha, parce qu'un homme, il n'a pas peut-être la tête, surtout à la synagogue, il est parti, et ce n'est pas la soule. C'est tout le voyage, c'est l'arrivée, enlever le manteau. Imaginez-vous quelqu'un, sa capuche, elle se bloque, il touche les cheveux. C'est très compliqué. Donc quand il revient à la maison, il refait une tétalaïm sans bracha, et il mange sans problème.